Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je me suis dit, allez, c'est la fin de l'année, il faut terminer en beauté. Et donc, je vous propose de vous faire ce que je vais appeler du coaching d'anglais pour vous faire un diagnostic des points forts et moins forts que vous avez lorsque vous parlez en anglais. Alors, ce diagnostic, ce coaching est seulement pour l'oral, pour l'expression orale, d'accord? Donc, en fait, comment ça se passe? J'ai déjà fait ça avec quelques clients et les retours étaient très bons. Alors, je me suis dit, je vais prendre encore quelques personnes pour pouvoir vous aider au maximum. Donc, le coaching en question, ben, c'est exactement un coaching, en fait. Ce que l'on va faire, c'est que vous et moi, on va se connecter sur Skype ou Messenger, mais avec la vidéo, hein. Il faut la vidéo et le son. Et nous allons parler que anglais, ensemble. Ne vous inquiétez pas, surtout, ça va bien se passer. Je vous mettrai à l'aise, c'est pas un problème. Et donc, en faisant ce coaching-là, en faisant cet échange entre nous en anglais, je vais pouvoir détecter quels sont les points qui vous manquent. Quelles sont les choses que vous devez réviser ou apprendre peut-être. Peut-être c'est un point de grammaire qui vous bloque à chaque fois. Peut-être que c'est du vocabulaire pour certains types de phrases. En fait, je vais vous faire, après cette séance, je vais vous faire un rapport écrit où je détaillerai tout. Je détaillerai bien sûr vos points fort, parce que vous en avez, ne vous inquiétez pas, j'en suis certaine. Mais je vous détaillerai aussi les points que vous pouvez améliorer avec des liens. Je vous ferai un rapport écrit, hein, que je vous enverrai par email. Et donc, ce sera détaillé en fonction de de ce que vous avez pu me dire, de ce que vous avez pu converser avec moi en anglais. D'accord? Alors, si vous êtes intéressé par ceci, dépêchez-vous parce que c'est vrai que je ne vais pas prendre beaucoup de personnes. Évidemment, ça prend du temps, d'accord? Donc, je pense que c'est quelque chose, ce diagnostic d'anglais est très intéressant pour les personnes, pas les débutants débutants par contre, hein, parce qu'il faut quand même pouvoir un peu parler, hein, même si vous êtes comme ça tout le temps, c'est pas grave, d'accord? Je vous aiderai pour que vous puissiez parler un peu plus. Donc, c'est surtout pour les personnes qui ont déjà appris l'anglais, mais ça fait peut-être très longtemps et que se sentent bloquées encore. Hein, c'est toujours ma spécialité, bloquée dans le parler, de sortir les mots, sortir les phrases. Ah, mais comment je mets cette phrase-là, tout ça. D'accord? Hein, ce sont surtout pour ces personnes-là qui ont du mal à s'exprimer pour X raisons. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ce coaching d'anglais, pour obtenir un diagnostic, parce que ce diagnostic d'anglais va vous permettre de savoir où vous en êtes, et surtout, ça va vous permettre de savoir ce qu'il faut que vous sur quoi il faut que vous focalisiez, d'accord? Je pense que c'est un très bon système pour améliorer, parce que chacun est différent, chacun a des lacunes, il faut le dire, dans différents domaines. Et en fait, quand on apprend une langue, on ne sait pas forcément, puisqu'on ne sait pas, justement, on ne sait pas ce qui nous manque et ce qu'on devrait, sur quoi on devrait focaliser. Donc voilà, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous parce que c'est pas sûr que je vais faire ça longtemps. En fonction du nombre de personnes. Donc, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux, Chabalanguages, sur YouTube, Facebook et bien entendu sur le site. À très bientôt. Keep up the good work. Bye!